Antoine, Antoine, les frères Lebrun, c'est magnifique. Non mais c'est des mineurs. T'as des mineurs, la Guadeloupe. Qui représentait la Guadeloupe. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je suis sur les Champs-Élysées. C'est ici que va avoir lieu dans quelques heures la parade des champions où les athlètes olympiques et paralympiques vont défiler. Un moment festif présenté comme la 5e cérémonie par les organisateurs et où sont attendus plus de 70 000 spectateurs et plus de 300 sportifs. Je trouvais ça important pour la dernière parade de venir et d'apporter un dernier soutien quoi, parce que après ça il n'y aura plus rien, quoi, c'est jusqu'à Los Angeles, on va plus les revoir tous ensemble en délégation. Comme tous les Français, on a évidemment suivi tous les sports qu'il y a eu et toutes les compétitions. Pour ma part, quelques favoris, la natation qui a procuré pas mal d'émotions, Léon Marchand évidemment, le judo aussi. D'Atiti, c'est vraiment remercier jusqu'au bout les athlètes et se revoir avec tous les volontaires qu'on a côtoyés. Tout le monde, ils sont super impressionnants et on était tous là pour les supporter, voilà, c'était trop trop bien. J'ai eu la chance d'être à Paris déjà en 1998 et j'avais assisté à la parade des joueurs de foot que j'avais trouvé extrêmement chaleureuse aussi, mais c'était en bus, ils étaient un peu plus loin. Et là, j'ai trouvé d'avoir assisté à cette parade que les athlètes, c'était beaucoup plus proche du public. Ils ont pris le temps de remonter les Champs-Élysées doucement, de faire des selfies. On les voyait sourire, on les voyait filmer la foule et ça renvoyait une énergie positive absolument dingue et je pense que le public leur renvoyait aussi la même bienveillance.